Jean-Pierre Coff fait le poisson dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 24 juillet 1999. Philippe Bouvard entouré de Macha Méril, Jean-Yann et Jean-Jacques Perroni. Question de Monsieur Lacauve de Saint-Vigor-le-Grand. En cuisine, qu'en dit-on d'un poisson qu'il est rose à l'arête? Il n'est pas cuit. Quand il est cuit juste à point. À peine cuit. Quand il est un peu sous-cuit. Exactement. C'est-à-dire, c'est... Voilà. Eh oui, mais ça, c'est bien, c'est ce qu'on aime maintenant. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff et de Jean-Jacques Perroni. Alors, certains exégètes particulièrement exigeants disent qu'il faut se méfier du poisson qui est rose à l'arête, car quelquefois il est un peu périmé. C'est la couleur du poisson. Ah, il faut regarder la date dessus. Oui. Il y a des tampons sur les poissons. Oui. De préférence c'est pas avant le 17 avril. C'est sur la queue du poisson généralement qu'on met le tampon. Mais ou sur l'ouïe. Il y a des, notamment sur les saumons, il y a un cachet. Une boucle d'oreille. Portant l'oreille, une boucle d'oreille ou une boucle de queue, portant l'origine et la date de pêche queue, même. J'aimerais bien voir ça, une boucle de queue. Un saumon avec une boucle d'oreille et une boucle de queue, c'est un saumon travelot. Hein, tous les coups. Hein. Comment ça s'appelle les sortes d'alliances, comment on met ces trucs qu'on te met sur la queue, hein, pour faire gonfler le gland, tu vois. Excuse-moi, je n'ai jamais encore eu besoin de ça. Tu vois pas ce que je veux dire? Non, Jean, mais... tu vois ce que tu veux dire? Vous voyez pas? Bah, c'est ça, pour les saumons, ça peut ça. C'est un petit, petit tuteur à gland, c'est ça? Non, mais si vous savez pas, je ne pas discuter. Non, je peux pas savoir. Oui, ça se vend dans les sex shops. Hein. Oui, pareil. Oui. Ah, c'est un truc de... Ah, c'est l'œil de bœuf, là, je sais pas quoi. Non, ça, c'est un nom anglais. Y a ça pas sert à quoi? Explique-nous à quoi ça sert. Bah, ça sert à faire gonfler le gland. Mais il est mal après? Non, pas du tout. Quand il se dégonfle, ça repasse de nouveau dedans. Enfin, j'ai entendu dire qu'on faisait ça, personnellement. Bah, c'est un cerf-gland. C'est comme il y a le serpent. Bah oui. Bref, pour revenir à la fraîcheur du poisson. Comment vous regardez un poisson quand il est sur l'étal Moi, je regarde premièrement, sous lui. Non. La règle absolue, regardons d'abord l'œil. Un œil, il doit être concave, brillant, et pas vitreux, noir. L'ouïe doit être colorée, la chair ferme, rigide et brillant. Un poisson comme un légume, comme un morceau de viande, doit te faire envie quand tu le regardes sur l'étal. S'il est terne, passe ton chemin. Mais comme Céline Dion, quoi. Mais peut-être que l'œil du poisson brille quand il vous reconnaît et qu'il voit vous approcher. Non, mais ils mettent de la vaseline par-dessus, quelquefois. Ah, bah oui, est-ce que l'anneau du parle bien. Sérieusement Est-ce qu'on parle sérieusement ou dit des conneries? Non, quand sérieux. On parle sérieusement, et j'ai oublié de rajouter encore deux points, l'abdomen doit être plein et l'anus fermé. Voilà les règles absolues de fraîcheur du poisson. L'œil, brillant, convexe, noir, l'ouïe, coloré, parce que la coloration d'ouïe dépend de la variété du poisson. Comment c'est quand l'anus est ouvert? De son espèce. Eh ben, tu as une sorte de liquide jaunasse qui est en train de s'écouler. Puis ça sent comme s'il avait pété. Ah non, allez. Ne parlons même pas de l'odeur, car l'odeur, c'est pas propre au poisson, c'est propre à la poissonnerie. On ne doit rien sentir chez un poissonnier. Si ça sent mauvais quand c'est on la poissonnière. Si ça sent... Si ça sent la marée pas nette, passe ton chemin, c'est pas la peine. Mais moi, moi, je vais vous dire quelque chose. C'est pratiquement tous les soirs, j'ai l'œil brillant, l'abdomen plein et l'anus fermé. Hein. Et l'anus fermé. Oui. Ça, c'est... Et je suis pas poisson. Et tu es rigide. Et tu es rigide. Je suis rigide, ouais. Mais à propos de poisson, il y en a une vieille, là, c'est l'aveugle qui passe devant la poissonnerie, il fait « Salut les filles !» Mais alors, c'est un véritable examen auquel vous vous livrez. Il faut qu'il tienne droit quand on y tient la tête, c'est bon aussi, ça. Écoute, moi j'ai vu dans le midi, chez certains poissonniers qui venaient de recevoir des poissons juste pêchés, c'est-à-dire on les voyait encore pratiquement respirer, ils les tenaient comme ça. Il y avait la tête qui était sur le creux de la main et le poisson était droit. Okay. Un poisson, ça ne tombe pas en brioche, hein, c'est droit, raide, rigide.
C'est ça sa qualité essentielle, une vraie rigidité cadavérique. Bon, un jour, et alors, il faut savoir que le poisson certains poissons trop frais ne sont pas comestibles. Une sole, par exemple, il vaut mieux qu'elle ait un jour d'étal plutôt que de la manger dès qu'elle sort de l'eau. Elle sera dure. Il faut qu'il y ait également, sur l'ensemble des poissons, d'ailleurs, un léger mucus, comme ça, quelque chose, cette matière qui suinte un peu, qui est visqueuse. Ça, c'est un signe également de fraîcheur. Et la raie, particulièrement... Il doit avoir l'anus fermé. Vous avez mauvais esprit, monsieur Perroni. Je présente les excuses de la station à monsieur Koff. Non, mais vous savez, si vous n'avez envie de dire que des saloperies, de parler trop du cul, excusez-moi, quand je parle du poisson, je parle de son anus. Ici, on ne parle que du trou du cul des humains, des trucs de chatte, de bite, de cochonneries nommables, de gens qui subissent des turpitudes insensées. Moi, je suis en train... J'essaie d'apprendre quelques éléments au milieu de cette cochonnerie ambiante, cette ambiance putride. Et dire que tout ça est parti à cause de l'anneau qu'on met autour du gland. Hein. J'ai pas parlé de ça. Ah bah si. Il est de mauvaise foi. Mais ça fait partie de l'information, excusez-moi. Vous avez une dignité quand même. Vous avez pas une recette de raie au gland? Pardon, là je suis un peu confus. Hein. Non, mais je suis très heureux, par contre, que vous ayez abordé le sujet de la fraîcheur du poisson. Oui, il tenait à cœur depuis longtemps. La fraîcheur du poisson est égale à la fraîcheur des propos. Exactement. Mais je trouve tout à fait faux cette comparaison de l'odeur féminine et l'odeur du poisson. C'est tout à fait inexact. Parce que l'odeur féminine très propre, est une odeur toi, qui peut plaire ou pas plaire, mais c'est une odeur très particulière, assez intéressante d'ailleurs, à mes yeux. Bon, je crois qu'on a tout dit là-dessus. Sur le poisson, on a fait le tour. Sur le poisson, il n'y a plus grand-chose à dire. Ah, on n'a pas abordé le coquillage, où là, il y a quelques comparaisons assez jolies aussi. Quel coquillage? La moule, c'est un grand classique quand même. Pour vous orienter, je cherche à vous entraîner vers sujet favori. C'est vous qui remettez le couvert, là. Bah oui, ça me dérange pas de manger des coquillages. Non, mais là, il s'agit d'aspect, de consistance, il ne s'agit pas d'odeur. La boule marinière, qui a une toute petite chemise. Voilà. Hein. Ou alors, on met l'oreille à la moule de la fille et on entend la mer. Oui, d'accord, monsieur Koff, c'est consternant, mais on rigole, hein. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Connaissez-vous la réjouissance en boucherie? Non? Alors retrouvons Philippe Bouvard le 24 juillet 1999, entouré de Jean-Yann, Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot et Jean-Pierre Koff. Question de Madame Marcy. Autrefois en boucherie, qu'appelait-on la réjouissance? C'est les morceaux du boucher, là, non? Ah non, ce ne sont pas les morceaux du boucher. On pourrait les nommer, d'ailleurs, les morceaux du boucher. C'est le... Il y a l'araignée. L'araignée, oui. La poire. La poire, le merlan. La hampe. La hampe, bien sûr. La bavette. Le rond de tranche. La bavette fait partie des morceaux du boucher. Non, le rond de tranche grasse. Bon, mais la réjouissance... C'est un terme de boucher, hein. C'est propre à tous les animaux? Non, c'est propre à la plupart des bouchers. C'est un morceau de boucherie. C'est pas exactement un morceau d'un animal. Mais les bouchers y étaient fort attachés à la réjouissance. C'était une action du boucher. Il faisait quelque chose, le boucher? Le boucher faisait quelque chose... Et que les clients auraient peut-être aimé refuser parfois, d'autres fois ils considéraient que c'était naturel. C'est quand ils faisaient un peu marcher la balance et augmentaient le poids. Avec quoi augmentait-il le poids? Le gras. Non. Avec la main, en donnant les os sur la balance. Avec les os. Ah. Ils mettaient des os en plus pour faire le poids.
Et il appelait ça la réjouissance. C'est vrai que c'était assez réjouissant. Ah bah oui. Et que parfois, on a besoin d'avoir des os, surtout à moelle, mais parfois, ça ne sert à rien du tout. Ah, mais pas seulement à moelle. Pour cuisiner, vous avez il faut souvent des os pour faire la sauce. Si vous voulez. Bah, quand vous faites un consommé, vous avez bien besoin d'os, quand même. C'est une bonne réponse de Jean-Pierre Coff, confirmée par Jean-Yann. Ben vous savez maintenant, alors, ils font des trucs incroyables. Quand ils vous parent, par exemple, une viande, ils mettent les déchets à côté de l'épaisse. Moi, j'ai vu faire ça. Vous allez chez le boucher, vous demandez une entrecôte, par exemple. Quand la viande est un peu rassise, je trouve ça, j'aime encore mieux payer le ce qu'ils sont obligés d'enlever parce que c'est noir. Et c'est logique, d'ailleurs, que ce le soit. Mais avoir une viande de qualité rassise plutôt que d'avoir de la viande trop fraîche et qu'on me contrait en entier. Mais très souvent, par exemple, ils enlèvent le gras. Vous savez que les gens n'aiment plus le gras. Alors, ils enlèvent le gras qui est autour d'une entrecôte ou qui est ou la partie un peu grasse d'un faux filet. Et puis, ils l'enlèvent parce que les gens n'en veulent pas. Et puis, ils les pèsent. Où va le monde ? Où va le monde, hein ? Et puis, il y a le boucher qui entraîne la cliente dans un recoin et qui dit « J'ai une livre en plus, je vous la mets quand même. » La bouchère se laisse pas faire. Hein. Non. Le boucher est assez porté sur c'est le... Bah, pour avoir de la bonne... C'est pas ça. C'est que les femmes sont prêtes à tout pour avoir de la bonne viande, et je les comprends. C'est séduisant, un boucher. Je sais pas pourquoi, c'est plus séduisant qu'un poissonnier. Tiens, pourtant, c'est plein de sang. Ouais. Oui, mais le boucher séduit. Alors que le poissonnier, moins. Et pourtant, l'odeur du poissonnier... Ah non, mais il n'y a pas d'odeur dans le poisson, excusez-moi. Il n'y a pas d'odeur. La poissonnerie qui sent, c'est un endroit à fuir. Ça ne sent pas dans une poissonnerie. Mais l'aveugle qui passe devant une poissonnerie et qui dit « Ciao les filles », alors c'est... Ah, quand même, la plupart des femmes n'aiment pas quand le poissonnier leur passe la main dans les cheveux. Après avoir écaillé une paire de macro, pas de macro, mais de... Ah, ça ne sent pas. Ah, bah non, mon vieux, je suis désolé, ça, dans une poissonnerie, il ne doit pas y avoir d'odeur. Si ça sent mauvais dans une poissonnerie, c'est que vraiment, il faut se tirer. Poisson frais n'a pas d'odeur. Une très jolie odeur délicate de marais, quoi. De marais, mais ça sent pas. Vous savez, quelquefois, un tourteau qui a été déjà cuit depuis quelques temps et qui est là, pauvre, désespéré, mort, affecté, affligé, et qui commence effectivement à manifester, en dégageant des odeurs inhabituelles pour ce type d'animal. Eh ben, je suis désolé, il faut s'en aller. On ne rentre pas dans une poissonnerie comme ah, ça. Ah, le calvaire du tourteau. Ah, oui. Le regard du tourteau affligé. Non, mais écoutez, je suis désolé, mon vieux. Imaginez un tourteau qui a été pêché frais. C'est déjà un accident. Il préférait rester dans la mer. Mais il se dit, le pire qui puisse m'arriver, c'est d'aller dans une bonne maison, être dans un joli courbouillon avec une belle mayonnaise et que les gens qui me craquent la pince, au moins, le fassent avec un minimum d'amour et d'envie. Hein, c'est bien ça, quand même. La vie du tourteau. Les espoirs du tourteau qui vient d'être amassé, c'est ça. Vous imaginez tout de même pas qu'il y a ni un poisson, ni un tourteau, ni quel que soit l'animal qui a envie, à part quelques lièvres pour des gens qui faisant onder ou la viande avancée, mais sinon, n'importe quel animal n'a qu'une envie, c'est de se présenter à son mangeur dans les meilleures conditions. Je suis d'accord avec lui, c'est ça qu'ils veulent, tourteau. Ben évidemment. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Un grand numéro sur les huîtres, cochons, carottes, poireaux, au programme des grosses têtes dans la nuit des temps du 24 juillet 1999, autour de Philippe Bouvard, Jean-Yann, Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot et Jean-Pierre Coff. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme animal qui veut être mangé? Le poisson, vous croyez qu'un poisson a envie de se présenter avec l'œil complètement concave? Et flanqué, c'est des personnages comme vous. Quand vous allez vous montrer à une jolie femme, vous avez envie d'être au mieux de votre forme. Alors, vous, par exemple. Eh ben, le poisson, c'est pareil. Une morue, vous croyez qu'elle a envie? Hein? C'est pas dire, quand même. Excusez-moi. Un maquereau, il a envie d'être luisant, brillant, appétissant. Ah, surtout le maquereau. Et surtout s'il y a une morue pas loin. Vous
vous imaginez toujours que l'animal n'a pas les mêmes envies que l'homme. C'est pareil. Ah, c'est grâce à vous qu'on a découvert la fierté de l'animal, ou du légume d'ailleurs, parce que c'est valable pour les légumes, d'être consommé par des gens de qualité. C'est vrai. L'huître, par exemple. Regardez l'huître, elle demande qu'à être gobée, elle ouvre son petit œil, elle sourit, l'huître, elle est jolie. Et on n'a pas intérêt à la gober, cela dit. Il vaut mieux la mordre avant de la manger, sinon elle se fait méchante à l'intérieur de l'estomac. Si tu la mords quand elle a encore la coquille, oui, elle t'a... Elle est... Non mais, tu parles de l'huître, est-ce que tu crois franchement qu'une huître a envie d'être sur leur bord d'un banc, les valves ouvertes, comme ça, désespérée, en train de sécher? Une huître, elle a envie de se présenter à son meilleur, c'est-à-dire avec encore un petit peu d'eau qu'on va pouvoir jeter, et puis tout à coup, elle redonnera le meilleur de son eau, c'est-à-dire l'eau intérieure, le foie soit brillant, la barbe également, elle se fera plaisir en étant mangée par des gens qui la respectent. Mais si on lui offre un peu de vinaigrette. Elle dit pauvre con. Voilà ce qu'elle dit. Ah ouais, mais... Je suis d'accord avec lui, elle dit ça, l'huître. Ah bah oui, ça je peux dire, une huître sur laquelle on met du citron ou du vinaigre échalotté, pense pauvre con. Elle doit mettre du Chanel numéro 5. On ne met rien, monsieur. Une huître, ça se mange comme ça. Mais sinon, une huître, si elle est sur un banc toute seule, les gens jettent des sous. Mais vous avez une appréhension d'animal qui est extrêmement bizarre. Vous croyez franchement qu'un cochon préfère pas avoir un peu de gras plutôt que d'arriver dans une poêle famélique, sinistre, plein d'eau, plein de flotte, dégueulasse? Non, un cochon, il a envie de, dans son meilleur, bien gras, dodu. M'avait énervé, tiens. Ce mépris de l'animal, ce mépris du... Et du légume, hein. Oh, bah, écoutez, vous... Et franchement... La fierté de la carotte, quand on commence à... Oui, mais la carotte est une salope, vous savez, j'en suis revenu. Mais parce qu'elle se tape beaucoup de monde. Mais le poireau, regarde, vous voyez la barbe du poireau, ce qui est à l'extrémité de la partie blanche du poireau. C'est un truc délicieux à mettre dans un consommé. Quand ça arrive sur un étal, que c'est plein de terre, ça, alors que ça pourrait être peigné, bien brillant, appétissant. Ah, il faut le shampoigner avant de le... Ah oui, shampouiner le poireau. Shampouiner le poireau. Ça coûte rien quand on fait les courses d'emmener le poireau chez le coiffeur. Je vais faire un pot-au-feu, je repasserai le prendre tout à l'heure. Faites-lui une petite mise en pli. Je suis étonné qu'un homme comme toi ricane. Tu es sévèrement de la gueule et te connais bien autour d'une table. Franchement, le poireau bigouni. C'est pas le tout de manger. Il faut respecter avant de manger. Et aimer ce qu'on va manger. Je me souviens de préférence, quand vous n'aimez pas le haricot et que vous en mangez, c'est embêtant. Quand vous parlez aux légumes avant de les arracher ou de les découper ou de les faire cuire, ça aussi... Mais je parle aux légumes. Oui. Et l'huître, tu la mordis ou derrière l'oreille ou faisais... Non, je la mords franchement. Je la prends dans la bouche, je l'écrase à mort. C'est un voluptueux de l'huître. Vous parlez à tous les légumes. Ah oui, vraiment, oui. Vous avez déjà parlé à Elsine? Écoutez, une belle petite laitue, c'est quand même franchement un cœur de laitue, comme cette petite maraîchère. Là, écoutez, là, dimanche soir, j'ai été ramasser de la mâche dans mon jardin. Je vous garantis, elle était haute comme ça, de la petite doucette, tellement belle. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Eh bien, je lui ai dit, écoute, tu pourrais grandir, mais... On va faire un petit essai tout de suite. Je suis sûr que tu vas m'apporter beaucoup de plaisir. Moi, je leur explique c'est qu'elles vont... C'est de la pédophilie, les lumières, ça. Appelez ça comme vous voulez, si vous voulez. T'es le Dutroux de la laitue. Je sais pas, elle faisait 3 cm et demi. Vous savez, une petite feuille comme ça. Ah oui. Magnifique, mal. Elle était... Que ça a été bon. Mais que ça a été avec bon. Un peu de betterave? Ah non, mais non. Ah, pardon. Non, mais non. Mais non, c'est de la grosse
Gourdas nantaise. Non, non, ça, c'était tellement beau. Alors là, j'aurais voulu qu'il gèle, parce que la mâche, ça se mange de préférence après le passage de la première gelée. Alors là, c'est vraiment formidable. Mais vous savez, tu dois savoir faire ça, toi. Je fais une salade uniquement avec du sel, du poivre et de l'huile. Et je la mélange comme ça à la main. Moi, je ne tourne pas avec des instruments. La salade, ça se mélange à la main, comme ça. Ça n'a plus de goût, après. Et quand c'est terminé, j'ai un vaporisateur... Et je pulvérise du vinaigre au vaporisateur. Vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce que c'est bien, ça. Ah, ça, je conseille à tout le monde. Vous avez un vieux vaporisateur. C'est comme le poireau, vous le pulvérisez. Très propre. Dedans. Comme ça. Il ne faut pas se gourer de vaporisateur, parce que si tu balances de l'eau de Cologne... Et tu ne fais généralement pas ta salade dans ta salle de bain. Ah, moi, je la fais dans ma baignoire à la main. Fais des grosses salades. Des grosses salades. Des énormes salades. À la grosse paresseuse. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur rtl.fr.